Ouais, je pars pas beaucoup parce qu'il y a plein de gens. Donc, je vous dis à plus tard. Coucou tout le monde. On se retrouve dans mon atelier. Bah, si. Alors, je fais un petit bout à chaque fois. Parce que je les ai pas finis depuis l'autre fois. Non, j'ai pas eu le temps. Donc, je fais quand j'ai un moment. Et puis voilà. J'espère que vous allez bien. Moi, aujourd'hui, alors j'étais obligée d'aller à Rochefort. Donc, je vous ai filmé des petites images de rien du tout. Il y avait du monde. Donc, j'ai filmé là où vous voyez personne, quoi. C'était compliqué. Parce que les gens, ils me voyaient parler toute seule. Ils me regardent. Voilà. Je vais finir mes petits points là pour finir mon rang. Et puis après, je vais vous parler de ce que j'ai envie de faire. Si, parce que j'ai envie de faire des choses. Ah si. J'ai fini mon rang. Donc, c'est bon. Ouais, chaque jour, je fais un petit peu. Ah si. Non, je ne suis pas droite. Je ne suis pas droite du tout. Alors, mon atelier est un petit peu mieux rangé que d'habitude, mais comment vous dire que c'est toujours la même chose? Ah bah si. Oh bah si. Puis alors, j'ai prêté mon ordinateur, et ils m'ont égaré le chargeur. Donc ça va être compliqué pour eux à imprimer. Et j'ai pas retrouvé. Ça fait 2 jours que je le cherche, et 2 jours que j'ai pas retrouvé mon chargeur. Et en plus, on peut pas l'utiliser pour autre chose, donc je sais pas ce qu'ils ont fait. Je sais pas. Ça, c'est un mystère de plus. Ouais, je suis allée amener ma fille parce qu'elle passait son brevet blanc de... Son brevet blanc de... Son brevet blanc. Ouais, je sais, c'est pompant, hein, c'est pompant, c'est gonflant, c'est tout ce qu'on veut. Ça fait quelques jours que je ne suis pas venue. Pas parce que j'avais pas envie, enfin si un petit peu, j'avais pas envie de me filmer. Pourtant j'étais toute apprêtée, tout ça, mais non, j'avais pas trop envie de papoter. Mais vous, ça vous change rien parce que je mets une vidéo toutes les semaines, donc une ou plusieurs, mais je veux dire minimum une. Voilà. Alors j'ai retrouvé mon bracelet, je l'avais égaré, je sais pas où. Oui, mon bracelet en cuir. Je sais pas. Je vais vous faire un petit podcast. Alors, il sera tout petit. Je vais vous le faire. Je vais vous l'insérer dans ça. Parce que je vois pas l'intérêt de faire un gros... j'allais dire une émission, mais... une vidéo exprès pour faire un podcast. Voilà. Et puis comme ça, bah, si les gens ont zappé au bout de quelques minutes, ben ils rateront le podcast. Oh bah aussi, parce que moi... ce qui m'énerve un petit peu en ce moment, c'est les... vous savez, les shorts. Les shorts qu'il y a sur YouTube de quelques secondes. Alors, au début, c'était marrant. Hein, mais quand tout le monde le fait, je vous jure, des fois, j'ai un panel parce que moi, je mets bon, des abonnements. J'ai un panel de shorts et je n'ai pas de vidéo. Ou alors, il y en a une ou deux. Alors qu'avant, on était beaucoup plus sans les shorts. On avait beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus de contenu. Je trouve que les shorts, ils ont cassé un peu ce... Pour certaines personnes, ils préfèrent faire des shorts que de faire des vidéos. Bah ouais, mais c'est pas la même chose en fait. Hein, parce que c'est très court. Hein. Ah bah. Moi, on me dit que je suis très longue. Mais alors là, c'est vraiment... Vraiment très court. Hein. Oh, bah aussi. Donc, je vais faire mon petit podcast là. Bah si, j'ai envie. Donc, je vais vous présenter d'abord mon petit sac à projet que j'ai fait au mois de février. Et donc, j'ai utilisé du tissu que j'avais acheté chez... C'est pas Mondial Tissu. Non. C'est Mercerie. Non, c'est pas Mercerie Extra. Non, Mercerie Extra, je trouve plein de trucs, mais pas ça. Pas le tissu.
Je sais plus. Ça fait un moment que je l'ai commandé. Et c'est un tissu qui est assez. C'est en coton. Et il est assez. Il n'est pas extensible du tout. Et il est assez costaud. Et donc, moi, j'aimais bien ces petites fleurs-là. Donc, dedans, bah, sur ces. Un tissu que j'avais il y a au moins 15 ans, n'est-ce pas? C'est un peu comme une toile de bateau. Vous savez, pour faire les intérieurs d'imperméables. Voilà, c'est à peu près ça. Et dedans, j'ai mis ma chaussette que j'ai réalisée, que je n'ai pas encore cousue hein, depuis la dernière fois que vous l'aviez vue. Ah bon, non, j'ai pas fini celle-là. Non, parce qu'en fait, je me suis aperçue que quand je cousais une chaussette, quand je l'ai finie, et que je couds l'autre après plusieurs jours, eh ben, les coutures, elles ne sont pas les mêmes. Donc, c'est ballot, parce que bah, le dessin, il n'est pas pareil. Donc, vous voyez, ça vous aide en faisant ce genre de finition, ça vous aide à la couture après. Parce qu'à la fin, vous mettez les petits nœuds que vous voyez ici face à face. Et vous passez votre laine. Et c'est beaucoup plus facile de coudre comme ça, jusqu'au bout. Si c'est plus facile. Donc en fait, pour faire cette finition bouton-là, attendez, de ce côté, on verra mieux. Vous voyez ces petits picots-là? Mais en fait, il faut toujours finir par une maille à l'endroit. Vous finissez toujours vos rangs par une maille à l'endroit. Et à la fin, vous allez pouvoir. Je mettrai peut-être dans une vidéo astuce. Parce que ça, c'est super bien. Quand on ne sait pas coudre et ou qu'on s'énerve pour coudre, comme moi. Ça, c'est super bien. Parce qu'en fait, vous n'avez pas. C'est zéro cerveau. Vous mettez en face et à chaque fois, vous passez votre aiguille dans une petite bouclette, là. Petite bouclette. Et vous passez dans la bouclette et hop, c'est fermé. Ouh, c'est joli. Si. Donc voilà, mes chaussettes sont en train d'être faites, hein, puisque c'est ça que j'ai sur mes aiguilles en ce moment. Donc c'est des chaussettes. Alors, ce n'est pas des chaussettes pour marcher, parce que vous voyez l'épaisseur, vous allez avoir mal aux pieds. Remarquez que ma fille, elle est repartie à Paris, elle a mis des chaussettes normales, basiques. Elle a mis ces chaussettes-là, plus ses chaussures. Bah, elle marchait bien avec, hein. Elle a marché jusqu'à Paris, elle a marché pour prendre son métro, tout ça. Bah, apparemment, ça lui convient. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais bon, c'est pas fait pour marcher. Normalement, c'est pour être cocooning, pour être dans le lit bien au chaud. Alors, en ce moment, il fait plus trop froid, enfin, chez moi. J'ai oublié de vous filmer, mais il y a 2 jours, il est tombé une grêle. Je vous raconte même pas. Des billes de grêle, mais alors une force incroyable. C'est la première fois que j'ai vu autant de grêle tomber longtemps et d'un coup. Et puis forte, vous voyez, comme une sorte de pluie, mais que de petits cailloux. Alors, j'imagine la personne qui était dessous. Elle a dû avoir mal. Hein. Ah bah si, parce que ça. Vous voyez, avec le vent et tout, ça a tapé fort. Alors, je ne sais pas si vous êtes en Charente-Maritime ou en Charente. Mais alors, ça dépend des endroits. La grêle était moins forte d'un côté que d'un autre. Bah si, bah, je comprends pas pourquoi, mais bon. Donc revenons sur mon sac à projet. Donc c'est des rectangles là, que l'on assemble. Et puis on assemble cette petite partie-là sur les rectangles endroit contre endroit. Et puis on met la petite corde de chaque côté. Et moi je l'ai terminée par une jolie perle. Enfin jolie. Une perle, parce que je n'avais pas de perle creusée aussi grosse. Donc j'ai mis celle que j'avais et j'ai fait un nœud et ici j'ai mis ce que je vous avais montré dans mes astuces pour brûler pour tenir les bouts pour pas qu'ils se défassent. Alors cette corde-là, elle est bien pour faire des. Savez, les cordons en rubané de tissu pour faire les tours des sacs, par exemple. Pas du biais, l'autre avec la corde à l'intérieur. Voilà, j'ai perdu le nom. Peut-être ça me reviendra plus tard, mais voilà, c'est pas du biais, c'est l'autre. Et ben ça sert bien. C'est une corde. Alors, je sais pas combien de millimètres. J'ai pas mon truc là
pour mesurer combien de millimètres c'est. Mais ça, c'est nickel. Pour faire des trucs de sac, c'est pas mal. Donc, ce petit sac à projet, voilà, pour mes chaussettes, par exemple, ça va super bien. Et voilà. Et donc, l'intérieur, la doublure, tatata, c'est tout simple. C'est super facile. Voilà. Voilà, voilà. Donc, celui-là, j'aimais bien le faire. Donc, je vais remettre ma chaussette dedans, n'est-ce pas, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai, ben, comme je vous avais montré dans les vidéos précédentes, j'ai durci avec, zut, zut de flûte, j'ai durci avec la maïzena les choses. Alors, je pense que la laine, enfin le cordon que j'utilise, il n'est pas fait pour ça. Non. Non, parce que il reste pas en place. Celui-là, si. Mais l'autre, non. Ouais, ça dépend. Alors, il faut que vous choisissiez sur votre internet, que vous choisissiez du cordon pour macramé. Moi, je les ai achetés chez Chinois au Portugal et à mon avis, ça donne pas pour faire du macramé. Voilà. Voili, voilou. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai fait. Ça tombe tout, je vous jure. J'ai fait un portefeuille en cuir. Si, c'est pour ma belle-sœur. Voilà, je vous présente le portefeuille. Joli, 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 joli. Si, je l'aime bien. Le petit portefeuille que je lui ai fait. Donc ça s'ouvre avec une pression. Et voilà. Donc devant, vous avez pour mettre les cartes. Donc si j'ai une carte. Est-ce que j'ai une carte? Une carte. Attendez. Alors voilà, ça c'était mes anciennes cartes quand je faisais que j'étais auto-entrepreneur. Je suis toujours, hein, mais je ne peux plus travailler. Quand j'étais, je faisais des bijoux. Si. Alors, on met sa carte. Attendez, je ne suis pas en face. Et puis, il faut qu'il prenne la forme. Hein. Bah, si. Bah, si, il faut qu'il prenne la forme. Hop. Ah, je devrais laisser les cartons dedans pour que ça prenne la forme. Voilà. Et en haut. Voilà. Donc là, vous avez le compartiment carte. Où là, vous pouvez mettre des petites choses aussi, des cartes de visite ou quoi. Et ici, vous avez deux grandes poches. Alors, le truc, c'est que je me suis trompée. Normalement, ce côté-là aurait dû être là. Mais ça change pas grand-chose. Hein. Voilà. Et vous voyez les tranches aussi. Ben voilà, il faut que je retravaille le fait d'avoir plusieurs couches et de les amincir. Si, parce que j'ai pas voulu le faire, mais j'aurais dû. Ben si. Alors voilà, j'ai fait ça, j'aimais bien. J'ai bien aimé. Je me suis acheté des outillages pour le cuir différents. Parce que vous savez, comme moi, quand ça ne va pas la journée, des fois la nuit, ça va bien. Et j'ai pas sommeil. Bah si. Et donc, je ne peux pas taper. Puis d'habitude, c'est mon mari qui le fait. Je ne peux pas taper. Donc, je me suis acheté une pince pour faire les trous. Comme ça ne fait pas de bruit. Alors, bien sûr, quand ça se retrouve dans les pliures, on est obligé de faire avec du matériel pour percer, donc faire du bruit. Mais tout ce qui est extérieur, ça va très bien. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'aime bien. Alors, j'ai dit, ouais, il faut qu'il soit un peu, il prenne un peu. Hein. Ah bah, si, j'ai tout neuf. J'ai dit à mon mari, je dis, bah, tu lui diras qu'elle passe un peu de cire d'abeille dessus, parce que moi, j'en ai pas, non. Non, j'ai du cuir, mais j'ai pas de cire d'abeille. Non, j'ai rien pour protéger. Je me suis acheté un petit vapeau imperméabilisant, mais il faut d'abord le cirer
avec de la cire d'abeille pour pouvoir mettre l'imperméabilisant. Bah, si, sinon, il ne brille pas autant que. Voilà. Voili-voilou. Donc, ça, c'était mon petit portefeuille. Ouais, il faut qu'il prenne le pli, quoi. Voilà. Mais je l'aime bien. Si, ça me fait quelque chose de le donner, mais bon. Alors, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai fait une trousse. Je vais vous montrer la trousse. Alors, j'étais la chercher parce que, comme ce matin, je suis allée à Rochefort et que je ne peux pas faire l'aller-retour d'un seul et même coup, elle était dans la voiture parce que j'ai dessiné. Bah, si. Voilà la trousse, donc avec le même tissu de ça, j'ai fait la trousse. Voilà, avec un zip. Alors j'en ai fait une pour moi et une pour ma fille, mais elle est partie à l'école avec et elle n'a même pas fini que je la finisse. Ah, elle n'a pas voulu que je la finisse, hein, bah non. Moi, il restait juste à l'intérieur pour coudre le biais et elle m'a pas laissé. Donc voilà, j'ai tout mon petit matériel de dessin à l'intérieur. Donc là, il y a deux petites poches sur le couvercle. Il y a un petit... une petite poche d'un côté et des trucs pour mettre des crayons de l'autre avec des élastiques. Et puis là, on a le fond de poche avec voilà, pour mettre petit matériel, la règle, la mini règle, tout ça, tout ça, tout ça. Le ciseau, je sais pas pourquoi je l'emmène. Voilà. Donc j'ai fait ça. Donc vous voyez, c'est assez. Et puis moi, avant, j'utilisais, vous savez, la trousse de chez... Je vais vous montrer. Alors, j'utilisais le même matériel, mais dans ça, là. Vous voyez? Donc, celle-là, c'était de marque Derwent. Et comme vous voyez, qualité pas top. Ah ben non, hein. Ça, c'est pas de la qualité, hein. Ça, c'est de la mousse de... un peu de merde, hein. Si, 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 si. Le plastique, pas de bonne qualité non plus parce que vous voyez, il est tout abîmé. Je peux même rien en faire. Hein. Je suis obligée de la. Enfin, je vais la garder, mais je veux dire. Voilà. Il n'y a que ça que c'est bien. Bien fait. Avec du bon matos. Le filet. Voilà. Et donc, je mettais la même quantité de crayon là-dedans que là-dedans. Et elle est moins grosse. En fait, parce que quand je la mettais, moi, elle était vachement, comment vous dire, voilà, elle faisait à peu près ça en grosseur. Alors, vous voyez, enfin, c'était assez gros pour mettre dans le sac. Alors que là, le diamètre, il est plus petit. Donc, c'est un zip en plastique. Voilà, alors il y a un petit défaut, hein. Ben, si c'était la première, il y a un petit défaut ici, là. Si. Si, si. Mais sinon, elle est toute mignonne, toute mignonne. Moi, je l'aime bien. Parce que je la mets dans mon sac comme ça et elle me prend moins de place que ça. Ça, avant, ça dépassait de mon sac. Je prends un sac cabas, un truc. Et ça dépassait de mon sac et c'était pas le top. Donc, moi, je l'ai faite en tissu. Mais pour ma fille, je l'ai faite en bleu avec du simili-cuir. Alors, est-ce que je l'ai là, le simili-cuir? Un simili-cuir bleu très fin que j'avais acheté. Ouais, je l'ai là. Enfin, je crois. Voyez? J'avais acheté il y a très longtemps du simili-cuir bleu comme ça là. Vous voyez? Et puis dedans, j'ai mis ce type de tissu, un tissu assez épais. Voyez? En coton. C'est fait une sorte de lin. Lin cotonné. Je sais pas comment vous dire. Je ne connais pas les tissus. Je peux pas vous dire, je ne connais pas. Et puis, il faut s'y connaître hein, pour savoir la qualité. Tiens. Donc celui-là, ouais, il est tout fin. Donc j'ai cousu. J'ai une grosse araignée qui monte là. Bah, dans un atelier, hein. Comment vous dire? Donc j'ai utilisé très peu de tissu parce que ça
en demande pas beaucoup, hein. J'aimais bien la faire. Si. Alors, c'est un tuto que j'ai vu sur YouTube. Alors, ne me demandez pas les liens. Non, parce que moi, je suis surprise quand une personne fait une vidéo gratuitement, que la personne qui regarde, c'est tout gratuit pour elle, et elle a le culot, ah oui, parce qu'il y en a qui ont le culot de demander les liens. Alors, pour vous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas quand on fait des vidéos YouTube, comment ça se passe, déjà, filmer, on prend du temps. Montage, on prend du temps. C'est beaucoup de temps. Et en plus, s'il faut mettre tous les liens, parce qu'à chaque objet, il faut faire un lien. Donc, s'il faut mettre tous les liens, franchement, on passe sa vie à mettre des liens. Moi, je ne suis pas d'accord sur ce principe-là. Si je peux vous mettre le lien facilement, pas de souci. Si c'est un gros truc, si c'est un truc que vous me demandez spécifiquement, voilà, j'ai sur certaines vidéos pour, par exemple, l'électricité. Vous pouvez retrouver dans une vidéo, vous pouvez retrouver des liens. Parce qu'une dame m'a demandé pour qu'elle achète parce qu'elle était perdue au niveau des noms. Alors là, je veux bien croire que le nom est difficile à trouver parce que dans l'électricité, voilà, il faut décrire plusieurs choses pour trouver le bon produit. Mais quand c'est du tissu ou une fermeture éclair ou je sais pas moi, un bouton pression, franchement. Vous tapez bouton pression, vous en trouvez plein. Ah bah si, parce que à un moment donné, voilà, il faut travailler un petit peu quand même. Parce que nous, tous les contenus qu'on vous donne, ils sont gratuits. Si en plus on doit travailler derrière pour chercher les liens. Déjà, c'est la galère pour marquer les adresses e-mail pour que je vous le donne. Que je la marque, parce que des fois j'y pense pas. Il faut que j'écris, il faut que. Bah, ça prend du temps en fait. Les petits bouts, petits bouts, petits bouts, petits bouts, ça prend beaucoup de temps. Et puis moi, si je vais acheter mes trucs sur Amazon, il faut faire un lien pour chaque produit. Non, mais moi j'abandonne. Hein. Ah bah si, ah bah si. Par exemple, cordon comme ça. Vous pouvez trouver, vous tapez cordon 3 mm de couleur, et vous la retrouvez, hein. Perle. Perle de, je sais pas, elle doit faire, je sais pas. Avec un trou de 6 mm, bah si, 3 plus 3, ça fait 6. Hein. Donc avec un trou intérieur de 6 mm, vous trouvez des perles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Par exemple, je vous ai parlé de la laine azurite. Bah, vous tapez laine azurite, vous allez trouver. Enfin, moi, je ne vais pas vous mettre les liens à moins que vous me demandiez spécifiquement quelque chose de spécial. Là, oui. Mais sinon, je ne mettrai pas de lien. Jamais. Jamais vous trouverez de lien chez moi. C'est pas possible. Non. Déjà, je prends du temps pour vous faire les vidéos. Ça prend énormément de temps. Pour celles qui savent, voilà, vous savez. Mais pour celles qui ne savent pas et qui croient que ah, c'est en claquant des doigts, non, 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 non. Non, il faut aller sur le site Amazon ou sur un autre site, copier le lien du produit, le copier, aller retourner sur la chaîne YouTube, modifier la vidéo, aller la barre en dessous pour écrire tout ce qu'on a à écrire. Et il faut copier le lien. Et des fois, ça ne marche pas. Ben non. Ben non. Voilà. Donc, vous n'aurez jamais de lien sur ma chaîne. À moins que vous me le demandiez spécifiquement. D'accord? Par exemple, le cuir, le fil ciré, tout ça. Vous tapez fil ciré, hop, hop, hop. Fil à couture cuir, hop, hop, hop. Vous trouvez plein. Plein. Au prix, à différents prix. Donc, je ne vais pas vous mettre un produit, moi je ne suis pas affiliée à Amazon. Je n'ai pas de. Alors, il y a des filles, si. Il y a des filles, quand vous tapez sur leur lien, elles ont soit des réductions sur elles quand elles font des achats. Sur Amazon, c'est comme ça. Après, sur d'autres sites, ils leur offrent des produits. Voilà.
Moi, perso, je ne vois pas l'intérêt que moi j'aurais à mettre des liens. Faut un petit peu, comment dire, s'enlever le doigt de 1 hein, pour chercher ce qu'on veut. Ah bah si, parce qu'on ne peut pas tout mâcher le travail. Hein. Oh bah non. Les gens vous donnent le tuto, les infos. Si en plus on vous met les liens, non mais attendez. Non, bah non. Donc là, j'ai fini les choses que je voulais vous montrer. J'ai pas fait autre chose. Non. Non. J'ai pas fait de coloriage depuis la dernière fois, non. J'ai rangé un petit peu mon atelier, ça c'est sûr. Si j'ai fait les. J'ai retaillé, je voulais vous le filmer, puis. Mon chéri était trop pressé pour le faire. En fait, il avait acheté un pantalon qui était trop large au niveau des jambes pour lui et trop long. Donc, il a fallu que je retaille le pantalon. Alors, je ne vous dis pas, c'était une galère pour retailler le pantalon pour qu'il lui aille bien. Parce que, en fait, c'était un jean et le jean, il avait plusieurs parties. Il n'y avait pas que deux, une face et un dos. Non, bah non, sinon ça serait trop facile. Il y avait une partie en bas du jean où c'était le bas du jean et il y avait à peu près 10 cm. Après, on avait le pantalon qui avait trois faces et donc pour le tailler, c'était coton. Donc il a fallu que j'enlève les coutures, que je le retaille, que je le coupe, que je le surfile parce que ma surjeteuse, le jean, elle aime pas. Oh bah bon, non. Ah non, la surjeteuse de Lidl, elle est très bien, mais alors les jeans, et puis je pense que c'est toutes les surjeteuses. Alors, je ne sais pas si vous avez autre chose comme autre chose comme surjeteuse, dites-moi si le jean passe, parce que moi, ça n'aime pas, c'est pas. Ah non, elle n'aime pas. Non, elle coud tous les tissus. Alors, dès que c'est du cuir, du jean et tout ça, ah bah non, elle n'aime pas, elle n'aime pas, elle n'aime pas. Donc, j'ai dû retailler tout, j'ai dû faire les ourlets de pantalon. Et voilà. J'ai pas mis longtemps, hein, j'ai mis, je sais pas, un quart d'heure. Enfin, pour coudre. Parce que pour le retailler, il a fallu que je prenne un autre pantalon, que je redessine bien le pantalon. J'ai fait les coutures sur les bords extérieurs. Parce qu'à l'intérieur, il fallait pas toucher l'entrejambe parce que sinon. Oh là là. Donc voilà, j'ai fait ça. C'est tout. Et là, il y a une dame que je suis depuis un certain temps. Alors, je n'ai jamais fait ses tutos. Elle fait beaucoup de tutos. C'est très bien expliqué. Si vous voulez faire des sacs en tissu, c'est génial parce qu'elle explique bien, elle montre bien, tout est clair, précis, concis, tout, tout comme il faut. Sauf qu'on ne voit pas son visage. Voilà, on ne voit pas, on ne voit pas, on ne voit pas. C'est pas grave. Là, c'est pas grave. Là, on lui pardonne. Et elle a fait un sac seau. Un sac seau, ça veut dire qu'il est comme une sorte de seau. Bah si, c'est le nom, il est. Il est là. Et avec du simili-cuir. Alors, moi, pour ma part, je vais faire moitié simili parce que je veux un dessin spécifique et du cuir. Si. Et elle met des gros œillets. Donc, comme j'ai le matos, ça m'arrange. Il y a deux sangles. Une pour être juste sur l'épaule et le porter à la main. Et une autre sangle pour le porter en bandoulière, comme ça, en travers. Donc je vais pour la première fois faire un de ces tutos. Aussi, je vais essayer. Et puis après, pourquoi pas le modifier et en faire avec ma petite patte. Bah si. J'ai regardé aujourd'hui ce matin, quand je suis revenue, j'ai regardé son tuto. Et je pense que ça va matcher. C'est très joli. Alors avec du cuir, ça va être le top. Avec du cuir fin. Je vais coudre tout à la machine
Et bah, je vous montrerai le résultat parce que bah, je ne vais pas refaire le tuto qu'elle a fait. Alors, ça s'appelle le monde de Mélou. Donc, si vous aimez faire des sacs, le monde de Mélou, elle est très précise, très concise. Elle explique pas à pas. C'est très, très bien. Alors, c'est dommage qu'on ne la voit pas parce qu'on voit que ses petites mains. Mais c'est très précis, très. Enfin, voilà, c'est un tuto. C'est pas du blabla, c'est tuto, tuto. Elle commence par vous dire le matériel qu'il vous faut. Elle présente d'abord. Elle remercie tout ça et elle présente le sac déjà terminé. Donc ça, c'est pas mal parce que c'est au début de la vidéo et pas à la fin. Parce que quand il y a des gens qui font des tutos et qui vous présentent le produit à la fin, moi, j'ai tendance à aller déjà à la fin pour voir ce que ça donne. Vous voyez? Vous êtes comme moi. Bah, si tout le monde est pareil, vous voulez voir le résultat. Bah, si c'est le principal. Donc, elle montre le résultat avant de faire le tuto. Comme ça, si ça ne vous intéresse pas, eh ben, vous passez à une autre vidéo. Bah, si. Parce qu'elle a toutes sortes de sacs. Toutes sortes de sacs, de portefeuilles, de trousses. Il y a un truc innombrable. Elle en fait, je crois, chaque semaine ou chaque mois. Je ne sais plus pas. Je sais pas. Donc si un jour elle passe par là, ben, je la remercie parce que ça donne des idées. C'est là, ben, je vais le copier son truc. Hein. Ben, si je vais le faire, elle a donné le tuto, je vais le faire. Ben, si. Mais moi je vais le modifier en faisant du cuir. Et puis je vous montrerai le petit résultat. Ben, j'ai trop hâte. Ben, si. J'ai déjà pris en note. J'ai pris en note tout ce qu'il me faut comme matériel. Et alors, je vous conseille, quand vous faites des sacs comme ça, où on vous dit les matériels successifs, si le tissu principal sert à faire la bandoulière du sac, coupez d'abord dans la longueur. Parce qu'une fois que vous aurez coupé tout et que vous aurez plus pour faire la anse, ah ben, vous serez chocolat. Ah ben, si, ça m'est déjà arrivé. Donc, voilà, bien sûr, n'est-ce pas, bien sûr. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, je vais faire ça. Je vais faire aussi un portefeuille. Là, j'ai pris une petite idée que je vais adapter moi au cuir et je vais faire un portefeuille pour homme. Voilà. Et puis, ben, j'ai toujours. Chaque fois que je filme, ah bah c'est automatique. Et puis je vais faire des porte-passeports, je vous avais dit. Je ne les ai pas encore fait, non. Bah non, j'ai fait le portefeuille parce qu'il va falloir que je leur envoie hein, quand même. Portugal. Bah si, parce que le pauvre, il attend depuis les vacances d'août. Il attend son portefeuille. Bah si, mais. Maintenant que j'ai la pince pour faire les trous, j'ai plus besoin de mon mari pour venir pour taper. Ah bah, parce que je vous dis pas, à chaque fois il venait taper et puis il tape pas bien. Bah non, ça avait commencé. Quand on demande un service à quelqu'un, on n'est jamais satisfaite que par nous-mêmes. Bah si, vous êtes comme moi. Voilà. Donc, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc j'ai la pince maintenant et je vais vous la montrer. Bah si, je vais vous montrer le matériel que j'ai acheté. Alors, je vous mets pas les prix, je vous mets pas les liens. Vous cherchez, vous allez trouver. Vous tapez dans la barre de recherche par exemple de Amazon ou de AliExpress ou de n'importe, vous marquez matériel cuir matériel ou matériel cuir et vous trouvez toute une panelle de trucs. Voilà. Bah si. Bah si, bah si, bah si, bah si, hein. C'est comme ça la life. Moi j'ai cherché, hein. Ah bah. Et puis pendant des heures, hein, parce que trouver le bon prix, le bon matos. Parce qu'il y a des fois, c'est chinois, c'est de bonne qualité, très très bonne même. Et puis il y a d'autres fois, chinois veut dire de très mauvaise qualité. Bon si. Alors moi je suis tombée tout le temps sur du bon. J'ai de la chance. Mais voilà, il faut travailler un petit peu. Ben si. Alors, est-ce que ça va être dans la première valise? Parce que
je range mon matos de cuir. Alors, mon fer a repassé, je vous jure, il est tombé un nombre incalculable de fois. C'est un calor. Alors, vous voyez, il est tout cassé. Ah ben si, hein. Ma fille l'a fait tomber, on l'a fait tomber de la table à repasser plusieurs fois. Et là, il fait que tomber. Et il marche. Si, je vous assure, il marche. Et alors, je vais le mettre ailleurs parce que sinon, je vais finir par le casser. J'en ai deux. Mais alors, j'ai acheté un à Lidl. Il coûtait pas très cher. Il coûtait, je crois qu'il coûtait 10 euros à tout casser. Et franchement, c'est de la merde. Ah bah si, ils l'ont vendu à 10 euros, je comprends pourquoi. Parce qu'en fait, le bouton de réglage de température, ben, vous tournez le bouton, mais vous ne savez pas quelle température il est. Ah bah non, bah non, bah non. Donc ça, c'est de la merde. Lidl, j'adore, mais alors le fer à repasser, ma fille, elle l'utilise pour repasser ses trucs, donc je lui ai laissé. Mais moi, je préfère celui-là parce que le bouton, malgré toutes les chutes qu'il a fait, il est toujours en action, il chauffe tout autant. Alors, même comment ça s'appelle? Pour la vapeur et tout. Vas-y, continue à marcher. Donc, je mets dans des... Oh, c'est lourd, ça. Je mets dans des valises comme ça. Alors, j'en ai une qui est à peu près neuve que j'avais achetée, je ne sais plus où. Je crois que c'était à Action. Ouais, je crois que c'était à Action. Alors, attendez, j'ai enlevé mes patrons de là parce que j'étais en train de regarder pour adapter mes portefeuilles. J'ai des patrons d'autres créateurs et je prends les idées un petit peu à droite à gauche et je fais mes propres patrons. Bah si, c'est pas bien de copier. Bah non. Parce que moi j'aime bien faire des trucs à moi, mais avec un petit peu des idées. Bah c'est comme quand vous allez sur Pinterest et vous prenez un petit peu des idées pour faire vos choses. Bah si. Donc voili voilou, je vais vous montrer. Alors voilà, donc ma valise. Et dedans, vous voyez, c'est pratique parce qu'il y a, y a une pochette donc, qui s'enlève avec une pression ici. Et je mets tout mon petit matos. Et puis en bas, bah, vous avez tout le boui-boui, n'est-ce pas? Donc ma pince à faire les trous. Alors normalement, j'ai ça. Mais ça, la griffe, quand vous tapez, bah, la nuit, ça fait du bruit, n'est-ce pas? Et puis ça casse les aies cervicales. Et alors, ma petite pince, bien sûr, elle ne va pas être dans cette valise-là, n'est-ce pas? Bah oui. Bah non. Ça serait trop bien. Donc, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc là derrière, en plus, on peut mettre des. Je vais vous montrer. Hop! Les planches. Vous voyez? Les planches, les différents trucs. Vous voyez, j'ai la petite planche, les aiguilles comme ça pour. Voilà, j'ai la planche à découper et j'ai une autre planche ici, la plus grande. Et donc, je les cache derrière et elles sont pile poil. Et cette planche-là, je vous l'avais mise dans un hall, là, la grise, je vous l'avais mise dans un hall, je l'avais achetée chez Action. Et elle rentre pile poil dans ma valisette. Alors, je vais plus arriver à fermer, bien sûr. Voilà. Donc, ça, c'est une valise. Donc je vais vous ouvrir l'autre, je vais vous mettre en pause, je vais vous ouvrir l'autre. Alors, l'autre valise qui est un petit peu plus vieille, hein, c'était les valises qu'on achetait avec une valise plus petite bleue, une valise plus petite rouge. Et celle-ci, elle est vieille. Alors, je crois que je l'ai mis à l'envers. Non. Alors, vous voyez, elle est très très vieille, elle est très très sale, j'arrive pas à la nettoyer. Ben non. Alors, celle-là, ben, il n'y a pas de fond. Alors, peut-être je vais les créer. Bah si, ça serait génial. Alors, la pince que je vous parlais, vous voyez, je l'ai reçue il n'y a pas longtemps. Alors, est-ce que je vais arriver à la sortir comme ça? Bah non. Attendez. Bon, alors, je vous ai repris face caméra parce que sinon, j'arrive pas. Ah bon, moi, il me faut mes deux mains. Hein, sinon, j'ai mal au cervical. Alors, c'est une pince. Donc, c'est une pince. Oui, il y a des dents. Et ça fait le même travail que les griffes. En fait, quand vous prenez votre. Alors, je ne sais pas si je peux. Avec un simili-cuir, je ne sais pas si ça va marcher comme sur le cuir. Alors, je ne sais pas. Vous voyez, vous mettez votre tissu entre les dents. Et.
Vous pressez et vous avez les petits trous. Alors, vous verrez mieux de ce côté. Vous voyez, vous avez les petits trous. Donc ça, c'est pas mal. Vous faites les trous. Enfin, vous dessinez les trous. Vous dessinez les trous. Vous les pré-machinez. Et après, vous prenez la pince et top, 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 top. C'est pas mal. Processus, ça. Et puis, ça fait pas mal. Hein, je vous dis. Hein. Il ne faut pas appuyer beaucoup. Même sur du cuir extra fort. Donc ça, ça, vous en trouvez à tous les prix sur AliExpress, je ne sais pas. Sur Amazon, moi, je l'ai acheté. Après, voilà, il y en a un petit peu partout. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je n'ai pas trouvé mon toconolé. Non, je l'ai perdu. Je ne sais pas où je l'ai mis. Mon petit machin. Ben non, je ne sais pas. Je me suis acheté aussi chez DécoCuir. Un petit imperméabilisant cuir et textile sans solvant. Alors, je sais pas si ça fait le même travail que vous vous souvenez du Textiplast. Alors, si ça fait le même rendu que le Textiplast, comment vous dire que le Textiplast est moins cher que ça. Voilà, parce que ça, c'est un vapeau. Donc, pourquoi pas le mélanger à de l'eau pour voir si ça fait pareil. Oh, bon. Donc, ça, c'est à marquer imperméabilisant cuir et textile. Voilà. J'ai acheté aussi des... Alors, ça vient de DécoCuir. Hein. J'ai acheté aussi des... Je vais vous montrer. Des... Alors, ils ont mis l'étiquette à l'envers. Moi aussi. Des vernis pour les tranches. Alors celui-là, il est marron. Et j'en ai un noir. Parce que je veux donner un petit peu de style à mes créations. Donc voilà, j'ai acheté deux pots. Deux petits pots. J'aimerais bien acheter de la teinture. Mais c'est pas encore... voilà, je me mets déjà à faire plein de choses comme ça là. Et après, on verra. Quand j'ai vu un site, bon, je ne saurais pas vous dire quel site, avec un lien qui était sur DécoCuir. Franchement, la personne, elle fait des pochettes et tout ça, bah, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Mais ça coûte cher. Par exemple, si j'avais mis en vente ma pochette à maquillage en cuir, je l'aurais fait payer 150 euros. Ça là, tout simple, hein. Un truc comme ça, sans rien à l'intérieur, juste la pochette comme ça, sans tout ça là, 110 euros. Et puis ça n'a pas la qualité de ça, hein, de ce cuir là. Hein. On voit que c'est un cuir velours, ça coûte moins cher que le cuir de vachette. Bah si. Voilà, qu'est-ce que j'ai pris aussi? Ah ouais, j'ai pris une règle. Alors, des coups de cuir, c'est bien parce qu'ils ont des règles comme ça. Alors, je vous explique la règle. Alors, en même temps, je vous fais un haul. Si vous êtes resté jusque-là, vous êtes contente si vous êtes intéressée par le cuir. C'est une règle comme ça. Alors, ils m'ont mis notre règle que j'avais déjà. Hein, mais c'est pas grave parce que ça sert juste pour ça. D'accord? J'ai perdu mes trucs. Là, si ça commence comme ça, bah c'est trop dur. Ils sont super forts, les aimants. Vous voyez, il y a deux petits aimants comme ça avec des trucs. Alors, on enlève les. Il faut que je regarde la notice. Je n'ai pas encore utilisé. Donc, on a une règle comme ça. Une règle comme ça. On pose. En fait, c'est pour les... Pourquoi c'est fait? C'est pour mettre votre feuille de cuir au milieu, enfin votre feuille, votre cuir, au milieu là, entre la règle et ça. Et dessus, vous pouvez marteler avec des poinçons régulièrement. Vous voyez, vous avez des millimètres, je ne sais pas si vous les voyez là, vous avez des millimètres, vous avez aussi la règle pour vous aider ici. Et à chaque fois, vous pouvez marteler des lettres et tout régulièrement comme ça
et vous pouvez vous débrouiller. Alors c'est bien pour servir de pose matoire. Voilà, c'est ça que je cherchais, des matoires. Alors un matoir, qu'est-ce que c'est? Alors donc on a la notice pour l'utiliser. Et un matoir, c'est quoi? Ben, un matoir, c'est par exemple, moi ici j'ai acheté un petit matoir avec un gros truc pour le faire. Donc, un matoir, c'est quoi? Alors là, dessus, il y a marqué handmade, ça veut dire fait main, hein, en anglais. Alors, je voulais pas en anglais, je voulais en français, mais il n'y en avait pas. Non, puis quand c'est fait main, ça coûte super cher parce qu'ils savent que, enfin, ils mettent le prix qui va avec, quoi. Alors, c'est du métal très lourd, n'est-ce pas? Vous voyez, ça se présente comme ça. Vous avez plein, ça se vend beaucoup sur Décocuir, que les petits machins comme ça. Vous le mettez, alors ça, vous l'achetez qu'une fois, hein. Vous le mettez dessus. Et avec la règle, quand vous avez votre règle là, vous mettez votre cuir au milieu et vous tapez. Voyez? Vous tapez dessus. Alors, je ne suis pas sûre que ça rentre celui-là. Ils font des trucs que ça ne correspond pas à leur matoire ou quoi? Ben non. Celui-là, il ne rentre pas. Non. Sûrement que c'est parce qu'il n'y a pas des écritures. Ah ben si. Donc ça, je vais le replacer. Je vais vous montrer les matoires qui font des écritures. Alors attendez, parce que j'ai perdu mon petit sachet. Si je les range comme ça, parce que j'ai pas encore trouvé de boîte pour les ranger. Donc, un matoir, c'est quoi? Laetitia. Bah si, ça vient de chez Laetitia, ça. Elle me l'a vendu. Un petit peu de poussière. Elle me l'a vendu avec plein de matoirs. Si, elle me l'a vendu. Donc dedans, on a les lettres de l'alphabet et les chiffres. Et j'ai vu que sur le site, alors je ne sais plus c'était quelle marque là, le truc là. Mais j'ai vu sur le site, il n'y en a plus. Non, ils ne les vendent plus en coffret comme ça en bois. Je ne sais plus quoi. Si tu te rappelles, c'est quoi? Mets-le en barre de commentaires parce que je me rappelle plus où tu l'as appris. Mais je sais que j'ai été voir et il y en a plus. Non, j'ai été voir pour voir s'il y avait d'autres matoirs parce que en fait ça c'est les chiffres et les lettres et moi j'aurais voulu plein de petits d'autres petits papillons tout ça mais non j'ai pas trop. Donc par exemple on prend la lettre F, d'accord? Donc le F, il est à l'envers sur votre. Là, vous le voyez à l'endroit, mais moi, je le vois à l'envers sur mon matoir. C'est normal puisque quand vous allez le mettre comme ça, il va être à l'endroit. Donc vous allez le mettre là, voyez, et vous allez taper, d'accord? Et puis après, vous ne le sortez pas de son emplacement. Vous ne le sortez pas de son emplacement, d'accord? Ou vous le sortez. Vous le sortez parce que. Vous voyez, il y a les petites ici là, il y a les petites barrettes qui font exactement cette taille-là. Donc en fait, vous pouvez ranger votre matoir et vous prendre un autre et vous mettre pile poil à côté et ça vous fera une écriture assez droite et harmonisée quoi, pour pas que ça. Il y a un F plus haut ou plus bas que l'autre lettre. Voilà. Donc ça, c'est un coffret super bien. Hein. Si. Alors, ça peut faire le cuir, ça peut faire le métal. Si, parce qu'à la base, elle l'avait pris pour faire pour mater sur des petites médailles ou des bracelets ou tout ça. Donc moi je m'en sers pour le cuir. Merci, merci, merci. Alors ensuite, j'ai acheté des matoirs, mais pour repousser le cuir. Donc j'en ai trois tailles. Voilà. C'est de la marque Yvan. Alors ça, c'était aussi sur Décocuir, hein.
Vous allez sur tes coquilles, vous mettez matoire, vous mettez repoussage de cuir. Donc vous avez là, vous avez la marque sur le et puis ça se voit que c'est de la qualité, hein. Vous avez la marque sur le matoir et vous avez trois, alors celui-là c'est le plus grand, vous avez trois tailles. Voilà. Donc ça c'est pour repousser, pour mettre en forme le dessin que vous voulez faire sur le cuir. Alors il faut utiliser du cuir végétal, n'est-ce pas? Et pour finir, une petite boîte très 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 surprenante. Oh bon, si, parce que dedans il y a quoi? Il y a plein de matos. Là, je vais vous montrer. Alors d'abord, il y a un petit. Alors ça s'appelle un Evel. Evel. Oh, j'ai oublié le nom. J'ai oublié. Alors j'ai pas encore utilisé. Pardon, je l'ai même pas enlevé de son truc. Donc c'est une chose qu'on met ici, qu'on peut régler à la taille normalement. Ouais, ici, on peut régler à la taille. Normalement, on peut régler. Alors, je ne sais pas comment on règle. Non. Et vous avez au bout, vous voyez, vous avez une lame comme ça. Et ici, ça tourne. Et donc, vous mettez votre doigt dessus et ça tourne. Vous voyez? Et vous appuyez avec celui-là pour ouvrir le cuir. Donc voilà, j'ai pris ça dans un lot. Sur Amazon, celui-là. Parce que des coutures, c'était pas dans mes moyens. Ah bon, non. Ils ont donné des petits trucs comme ça. En fait, ça sert à des dotting tools. Ça sert à dessiner. Donc, moi, je les avais déjà, mais bon. Ça va me servir. Il y a des fins, il y a des gros, il y a. Voilà. Dedans, il y avait le petit. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est comme une sorte de marteau, exprès, n'est-ce pas? Pour taper sur les matoires. Et les matoires, il y avait aussi les matoires dedans, le lot. Les matoires de toute taille, de toute forme. Donc c'est pour ça que j'avais cherché d'abord sur le site où Laetitia avait acheté ces choses. Et j'ai pas trouvé. Donc, j'ai été ailleurs, sur Amazon. Voilà, par exemple, là, ça fait des formes comme ça. Donc, c'est de bonne qualité, hein. Enfin, je ne sais pas si ça va durer dans le temps, mais bon. Déjà, il y a un numéro de série dessus, première fois que j'en vois. Parce que sur les autres, il n'y en a pas. Il y a juste la marque, quoi. Alors, celui-là, c'est un peu le même, mais plus petit. Vous avez différentes tailles, en fait. Moi, un, ça m'aurait suffi, mais bon. Vous voyez? Vous avez trois tailles de ça. On a... Alors ici, c'est des petits... je sais pas c'est quoi. Mais c'est pour faire des petits motifs sur... Alors ça je vois pas à l'envers. Faudrait que je le tamponne sur un morceau de cuir pour voir quel effet ça fait. Là, c'est des petites boules comme ça pour faire les intérieurs des fleurs. C'est parce que en repoussage de cuir, ce que j'ai vu, c'est qu'ils font beaucoup de fleurs. Et voilà, ils font beaucoup de fleurs. Donc là, il y a une fleur, n'est-ce pas? Là, ça aussi, ça, c'est super joli. J'ai vu des réalisations d'Américains avec des tampons comme ça, régulièrement tamponnés. Ça fait trop joli, trop beau. J'ai envie de me mettre, mais j'ai peur d'abîmer le cuir. Ah, si. Il y a des choses comme ça là, ça ferait trop joli en quadrillage, trop beau. Alors j'ai des matoires comme ça, repoussage, mais carré. Les autres, ils n'étaient pas carrés. Hein. Il y a encore des inserts de fleurs au milieu. Hein. Il y a un matoir comme ça, goutte. Il y a un matoir comme ça, avec des stries comme ça, ovale, moitié ovale.
Il y a un petit matoir comme ça qui font plein des petits stries, là. Plein d'effets. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je vais essayer sur un petit morceau de cuir pour essayer. Là, c'est des feuilles. Si, c'est des feuilles. Là, c'est à nouveau un truc ovale, mais avec des stries. Et il y a un papillon. Il y a quelqu'un qui m'appelle, suspicion de spam. Alors, je vais bloquer le numéro. Hop, c'est fait. Je ne recevrai plus d'appel, il me dit le téléphone. papillon. Et là, deux petits comme ça. Matoirs. Avec des petits stries tout mignons. Donc là, il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 matoirs. Plus le marteau, plus les dotting tools, plus le truc. Je n'ai pas payé ça très cher. Vous allez chercher chez... J'en ai vu aussi chez AliExpress. Pas très cher non plus. Donc, si vous êtes intéressé par le repoussage de cuir, il me faudrait un autre truc en bois, vous savez, pour les ranger. Bah si, parce que là, les prendre comme ça. Ou alors que je me fasse une trousse exprès pour les mettre dedans. Bah si, parce que ranger dans la boîte, là, c'est pas. On les voit pas. Ben, quand j'en aurai besoin, quand je vais en faire beaucoup. Donc voilà, ça c'est déjà pas mal. Ah oui, les valises que je vous parle. Les valises, elles ont toutes une clé. Donc vous pouvez les fermer à clé. Si vous avez quelque chose à cacher. Non, mais moi, des fois, je pense à mettre des clés à droite, à gauche, parce que, en fait, ils me fouillent dans mes affaires, ils me prennent. Hier, mon mari m'a pris tous mes tournevis. J'ai acheté des tournevis à Action. Vous savez, les tournevis rouges, là, où il y a... une partie pour pas s'électrocuter quand on fait l'électricité, bah, il me les a tous pris. Il dit, ouais, mais moi, j'en ai pas. Je dis, bah, si, je t'ai acheté un truc entier, rien que de ça, donc tu ne prends pas les miens. Bah, il les a pris quand même. Hein. Bah, si, il me les a mis là, mais il les a mis à droite, à gauche. Quand on en aura besoin, bah, on ne les trouvera pas. Oh, bah, si, c'est ça, les gars. N'est-ce pas? Donc, voilà un petit peu le matériel. Matériel a un petit peu souffert cette... pourquoi elle ne rentre plus? Elle est dégondée. Elle n'est plus en face des trous. Voilà. Elle est un petit peu décentrée. Donc ça, c'est mon matériel. Et puis j'ai acheté, je crois que j'ai pas vu. Je sais plus. C'est trop lourd. Ah oui, ça me fait mal au cervical. Au bout. J'ai acheté. Ah ouais. Je sais pas si je vous l'avais montré. Un compas à pointe sèche. Alors, ça sert à quoi? Le compas à pointe sèche, c'est il a deux pointes qui sont sèches. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de crayon au bout. Donc, parce que vous avez un compas avec une pointe qui est en métal. Et l'autre, il y a un crayon ou il y a une mine. Et bien là, il y a deux pointes métal. Et en fait, ça sert à tracer les lignes régulièrement sur les bords du cuir pour les futures coutures. Donc ça, c'est un certain prix, mais c'est... enfin, moi, maintenant, je fais tout le temps avec ça. Je peux pas. Je peux pas. Après, il existe des petits trucs comme ça où vous pouvez mettre vos aiguilles. Alors, vous pouvez le faire hein, en cuir. Et moi, je mets mes aiguilles dedans. Alors, c'est bien pratique parce qu'avant, elles étaient un petit peu baladées à droite, à gauche. Et maintenant, elles sont bien rangées là. Ensuite, avec les pressions que j'ai achetées, ils m'ont donné des petits trucs comme ça pour faire des trous. Et j'en ai deux. Parce que j'ai acheté deux lots de tailles différentes. Et ils m'ont donné deux, mais de tailles différentes. je suis trop contente. Par exemple... Il y en a qui l'utilisent pour, vous savez, pour le papier, le scrap. Donc, on met, vous voyez, il y a une petite fente là. Vous mettez le papier au milieu
Et vous faites le trou. Et hop, hop, hop. Et alors, le cuir, ça marche très bien. Alors, ça la marche un peu moins bien. Donc, je pense que je vais la laisser pour le scrap. Et celle-ci marche très bien. Voilà. Vous voyez, truc chinois. Là, il y a une boîte. Là, il n'y a pas de boîte. Bah, celui-là, il marche moins que celui-là. Ça dépend le fabricant, en fait. Parce que celle-là est très bien. C'est de Nitoxine. Ninoxine. Si, c'est chinois. Bah, alors là, il y a. On peut faire jusqu'à 6 feuilles. Alors, je ne sais pas si c'est du cuir. Parce que 6, ça fait un peu beaucoup. Hein. Ouais. Je pense qu'on va avoir du mal avec 6. Mais par contre, vous avez les grosses pinces qu'on peut acheter à Lidl ou chez Action. Souvenez pour faire les trous des ceintures. Je vais vous montrer. Vous vous souvenez ça? Bah si. Ça, en fait, ça fait le même travail que ça. Et puis, ça fait le même travail que ça. Sauf que pour moi, ça, c'est beaucoup plus simple. Parce que j'ai pas appuyé. J'ai juste à faire ça. Et ça coupe tout seul. Donc, si vous avez mal aux mains, aux bras ou quoi, ce petit outil, vous le trouvez chez AliExpress aussi. Hein. Chez AliExpress ou chez Action. Excusez-moi, c'est chez Amazon. Et donc, il y a plusieurs embouts. Et ça coûte, je ne sais pas, je l'ai vu à 6 euros, moi. Donc, enfin, ça varie. Hein. Souvent, les prix varient. Bah, si. Les prix varient, varient, varient. De toute façon, je vais vous faire une vidéo sur le matériel. Tout le matériel qu'on peut avoir pour le cuir. J'espère que bah, ça vous plaira pour ceux qui veulent se mettre au cuir. Et puis, alors il y a des noms que je sais. Et il y a d'autres noms, ça me passe à travers. Oh bah si, parce que le petit truc là pour couper le cuir. Ah bah, il a un nom spécial, hein, Rivel ou Nivelle, Nivelle, Nirvel, Nivelle, je sais plus. Ah, il est compliqué. Si, c'est compliqué. Donc, n'est-ce pas? Bien sûr. Après, qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi que j'ai acheté? Je me rappelle plus ce que j'ai pris aussi. C'est vachement bien. Ah ouais. Alors ça, j'ai trop marré. Je me suis trop marré. Une règle de 10 cm. Ah oh, bah si, parce que quand vous faites des petites choses avec votre règle qui dépasse. Ben celle-là, elle est toute mini-mini. Et celle-là, elle me plaît bien. Si, pour faire les petits portefeuilles et tout. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, ça, c'est bien. Même en couture. Si vous faites que de la couture, ben ça, c'est pas mal hein, pour faire les petits angles, les petits machins, les petites traces, les petits tracés et tout qui sont moins de 10 cm. Ah bon, comment vous dire? Moi, je suis ravie de l'avoir trouvé. 1 euro. Ah bah si c'était 1 euro. Voilà. Et puis je crois que c'est tout. Hein, parce que je crois que c'est tout. Ouais. Je vous ferai une le matériel à avoir pour soit commencer le cuir, parce que voilà, si vous voulez commencer le cuir, ou plus loin, quoi, avec les matoirs, avec tout ça. Je pense que je vais faire une petite vidéo. Un truc, je sais plus, parce que j'avais acheté une pince cam. Une pince cam, j'avais acheté ça, j'avais plusieurs outils pour mettre des œillets. Ah bah je sais pas où ils sont passés. Ça c'est l'ancienne. Moi j'en ai acheté une plus neuve. Donc voyez-vous. Normalement vous changez les. Ouais, mais ça me tue le. Et j'ai vu une pince aux États-Unis, comme ça. Ah bah alors avec un énorme trou. Il doit en exister des tailles plus grosses. Donc ça, c'est très intéressant pour le cuir. Parce que quand vous avez une pression à mettre, hop, vous utilisez ça. Quand vous voulez faire un trou pour une corde ou une pression beaucoup plus grosse, ça aussi. Donc ça c'est trop bien. Mais bah, je ne sais pas où je les ai mis. Je ne sais pas. Ils sont partis en vacances.
Ici, ils sont. Bon, je vais vous laisser là parce que ça fait 1 heure que je papote. Bon, si. Oh, si vous êtes resté jusqu'à la fin, ben, je vous remercie beaucoup. Ben, si. Et puis voilà, Alors, et maintenant, il vient plus. Ah, oh, ben non, mais c'est de l'ancien matos. Et ça tient pas grand-chose. Ouais, elle est abîmée, ce truc. Il va falloir que je mette un élastique. Tient plus rien. Non, parce qu'elle a un petit loquet pour la laisser appuyer. La laisser comme ça, en fait. Et là, pour la ranger, c'est mieux. Comme ça. Et si. Là, elle est ouverte. Puis elle ne se remet plus. Et ça, c'est bien pour quand vous avez des ceintures qui ne sont pas à votre taille. Et ben hop hop hop, vous faites le trou avec ça, vous mesurez et vous voyez où est-ce que vous voulez votre trou et vous faites un trou. Oh bon, si, même si vous n'êtes pas couturière, vous pouvez adapter votre ceinture. Voilà, voilà. Alors j'ai à nouveau plein d'idées pour faire des vidéos d'astuces. Si, j'ai vu que ça a plu à beaucoup de monde. Donc j'ai encore plein d'idées, plein d'astuces à vous donner, que ce soit en scrap, plein. Voilà. Je vais vous laisser là. Bah si, j'espère que vous passez une bonne journée, que vous êtes en pleine forme. Et que vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous fais 1000 bisous. Je vous remercie beaucoup de m'écouter et de me regarder, hein, parce que si des fois il y en a qui m'écoutent et puis il y en a d'autres qui me regardent des fois. Et puis il y en a d'autres, je les fais bien rire. Bah si, il y en a, hein, Mélanie, je te fais bien rire des fois. Ah bah si, elle me dit, ah, elle se fiche un peu de ma tête. Mais si, si, si. Mais je m'en fous, hein. Ah bah si, parce que je le fais pour, je le fais là. Je pouvais couper les parties où je me trompe, où je dis des bêtises ou quoi. Mais non, c'était pour, c'est justement pour se marrer. Donc, n'est-ce pas? Ah bah si. Vous dites que vous êtes content et puis c'est tout. Vous dites, waouh, super, elles sont super bien tes vidéos. Et puis c'est tout. Bah si. Bon allez, je vous laisse. Je vous fais mes bisous. À une prochaine vidéo. Bye bye.